Elfie de Super Miro, donc vous venez de raconter votre story à Jean-Luc Bertrand. On va faire la même chose en une minute, en trois temps sur les réseaux sociaux. Et on commence tout d'abord avec le passé, le meilleur souvenir de la carrière jusqu'à présent. Je crois que j'ai envie de parler du plus insolite et du plus drôle. C'est quand j'étais prof et que j'étais prête à distribuer mes copies à toute ma classe. Et c'était un cours sur la bande dessinée. Et finalement, j'avais inséré une image où je n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose d'un peu spécial. Et c'est un collègue qui me l'a rappelé, qui m'a dit « Mais tu as vu sur tes polycopiers ?» Et là, j'ai pris la carte. De toute façon, il faut que j'y aille, j'assume. Et puis, l'allusion sexuelle, de toute façon, ils vont la voir. Ils avaient 18 ans, j'en avais 21. Donc, on y va, on assume. Et ça s'est très bien passé. Voilà, pour le passé, le présent. À présent, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité aujourd'hui ? Moi, je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est la liberté de pouvoir agir, de pouvoir décider, de pouvoir construire une équipe, de pouvoir choisir les gens avec lesquels on travaille. Et ça, c'est extrêmement passionnant. Voilà, on se projette dans le futur, l'avenir aussi, voilà, les projets à moyen terme, où vous vous voyez d'ici quelques temps. Quelques temps, peut-être pouvoir prendre un petit peu de vacances, parce que là, ça fait un peu longtemps que ce n'est pas arrivé. Ça, c'est pour le très court terme. Et puis, le plus long terme, d'ici un an et demi, deux ans, avoir vraiment concrétisé Bruxelles, puisqu'on est déjà arrivé à Bruxelles avec Super Miro, mais vraiment avoir conquis Bruxelles, pouvoir s'attaquer peut-être à la France et à de beaucoup plus gros marchés.